Voilà des choses que Dieu nous appelle à proscrire dans nos cultes, l'idolâtrie, les ministères qui ne tiennent pas leur source de Dieu, qui sont obligés d'utiliser quelque chose d'autre, que ce soit un feu étranger, le culte de la personnalité, les hommes qui ont pris la place de Dieu dans les temples. Les gens même sont plus adorés que Dieu lui-même. On peut venir quand on veut, et quand on veut, quand on vient, tout doit être arrêté. Nous avons pris la place de Dieu. Et Dieu nous appelle à nous repentir et à revenir à lui. Redonner la place qui revient à Dieu et qu'il soit le maître de son église. La Bible dit qu'il est la tête. Christ est le chef de l'église. C'est lui qui a le dernier mot. Et on doit redonner à Christ son dernier mot. Si dans notre église ou dans le ministère que je dirige, c'est moi qui ai le dernier mot et Christ n'a pas sa place, je dois me poser, je dois revoir ma position. La conduite à tenir. Cette conduite, elle se résume à la repentance, le retour à Dieu, revenir à Dieu. Il dit, si nous ne nous repentons pas, il viendra, il va venir à nous pour nous combattre. Sa parole va nous juger et exposer, mettre à nu beaucoup de pratiques, des choses que lui, Dieu, il n'agrée pas. Et nous devons prendre cela à cœur, comme le montre le verset 17. Nous entrons, bien-aimés frères, dans une saison et nous sommes dans les temps de la fin où chacun doit faire attention. Nous avons besoin de demander la grâce de Dieu pour que nous soyons toujours dans les voies de Dieu, que rien ne nous fasse sortir des voies de Dieu. C'est certes un combat pas facile, mais la grâce de Dieu étant suffisante pour nous aider à être dans la victoire et à vivre dans cette victoire. La récompense. Mais bien avant la récompense, je voudrais vraiment nous exhorter et encourager les gens véritablement à revenir au Seigneur. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, dans une saison où Dieu va exposer les usurpateurs et ceux qui prennent sa place, ceux qui sont en train de faire des choses que lui n'agrée pas. Je crois à travers ce message, c'est une interpellation, une invitation à la repentance que chacun de vous, y compris moi, que nous revoyons nos attitudes, que nous revoyons nos valeurs et donner à Dieu d'être honoré et glorifié, à lui la première place dans son œuvre. Nous ne sommes que les ouvriers, ceux qu'il a associés. Nous ne sommes pas les maîtres. Jésus est le seul maître. La récompense qui est attachée, qui est donnée à l'église de Pergame, cette récompense revient au vainqueur. Il dit la manne. La manne qui était avant, la manne était la nourriture. La manne, la nourriture, la parole, on peut l'assimiler aussi, je dirais, à la parole. Après la manne, il est parlé des cailloux blancs. Et les cailloux, sur ce caillou était écrit un nom nouveau, le nom de celui qui le reçoit. Le caillou était donné au vainqueur. Le caillou blanc, à cette époque, était donné à ceux qui devaient être acquittés. Et lorsqu'on te donnait un caillou noir, cela signifiait que tu étais condamné. Mais le Seigneur prévoit un caillou blanc pour les vainqueurs, qui sera la récompense. Non seulement tu es acquitté, mais aussi tu seras récompensé, parce que sur ce caillou blanc sera écrit ton nom. Bien-aimés frères, je voudrais nous encourager dans ces moments difficiles à continuer à marcher dans les voies du Seigneur, à le suivre, à réclamer sa force, sa puissance, son esprit qui nous donne la force de vivre cette vie. Nous sommes dans les temps de la fin. Et lorsque la trompette sonne, Dieu nous appelle et nous amène à nous réunir autour de lui. Et nous devons nous voir à travers sa parole et nous examiner et nous poser la question si nous sommes toujours dans les voies de Dieu. Que sa grâce et son esprit nous aident à nous maintenir dans ses voies.
et à être des ouvriers qui dispensent sa parole avec droiture pour ramener plusieurs dans ses voies. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de nous. Pour ceux qui s'étaient éloignés, le temps revient à Dieu. Il pourra te réhabiliter, te pardonner. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Après avoir entendu et écouté ce message, nous allons prier. Le premier point de prière, c'est d'abord un temps de repentance. Il y a des reproches qui ont été faits à l'église de Pergame. On lui a reproché la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes. Et nous avons mis l'accent sur trois choses. L'idolâtrie, le feu étranger ou les ministères qui ne tirent pas leur source du Dieu véritable et le culte de la personnalité. Nous allons prier afin que Dieu pardonne toute action et tout agissement de nos églises aujourd'hui qui n'entrent pas en ligne de compte, qui n'entrent pas dans le programme et dans le chronogramme de Dieu. Tout ce que nous avons instauré comme attitude, bien même comme pratique, qui sont contraires à ce que Dieu veut. Demander pardon à Dieu pour toute forme d'idolâtrie, de syncrétisme, de mélange, au fait qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Demander pardon à Dieu pour cela. Et en même temps, tous les autels qui ont été érigés et les trônes qui ont été érigés dans nos églises, le culte de la personnalité, où Jésus, qui est le chef de l'église, qui n'a même plus sa place. Est-ce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, où Christ peut faire fléchir nos propres lois, nos commandements, nos règlements? Si ce n'est pas le cas, on doit se poser la question s'il est véritablement le chef. Et c'est autant de choses pour lesquelles nous devons prier parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et prier pour que nous puissions examiner. Ensemble, prions le Seigneur que Dieu continue à ouvrir nos yeux, que Dieu continue à nous donner de revenir dans ses voies. Nous demandons pardon à l'Éternel pour tout ce qui se fait aujourd'hui. Toutes ces choses sont de nature à attirer le courroux et la colère de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur, repentons-nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier et te demander pardon, Seigneur, pour l'Église aujourd'hui, Seigneur, qui d'une manière ou d'une autre, Seigneur, s'est écartée de tes voies. Nous voulons prier pour l'ensemble et prier particulièrement pour toute Église, Seigneur notre Dieu, qui pouvait marcher en dehors des voies que tu as prescrites. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous pardonnes, que tu ouvres les yeux des leaders que nous sommes, afin que tout ce qui a pris habitude, qui n'était pas conforme à ta parole, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous débarrasser de cela. Seigneur, tout ce que nous faisons pour t'aider, toute action qui ne vient pas de ta parole, toute forme de syncrétisme, tout feu étranger, tout ce qui est fait pour montrer ce que en réalité nous ne sommes pas. Et comme tu ne nous vois pas, nous voulons prier, Seigneur notre Dieu, afin que nous revenions, Seigneur notre Dieu, à toi, dans nos cœurs, dans nos mobiles, et Seigneur notre Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Nous voulons prier, Père, tout ce qui était un mélange d'idolâtrie, tout ce qui était feu étranger, Seigneur, nous prions que toutes ces choses s'éloignent de l'Église. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous devons, Seigneur notre Dieu, te servir de façon à ce que ton cœur soit réjoui. Merci Père éternel notre Dieu, parce que tu ne te conjugues pas avec nos principes, mais tu te conjugues avec tes propres principes et ce que ta parole dit. Merci de donner à l'Église et à nous, tes serviteurs, de nous conformer à cela. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Pardon pour le culte de la personnalité. Seigneur, on parle plus de nous que de toi. C'est nous qui sommes vus et toi, tu n'es plus vu. Dans les affiches,
qui sont faites, c'est nous qu'on voit et ton nom n'est pas vu. Nous voulons prier, Père éternel. Seigneur, de façon inconsciente, nous avons établi ces choses, mais nous voulons prier qu'au-delà de toutes ces choses, Seigneur, ta crainte soit dans le cœur de tes serviteurs que nous sommes et que tu prennes la première place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous prions pour un autre sujet, prier que Dieu nous donne la force de demeurer fidèle. Fidèle. Il a fait des éloges à l'Église et dit, tu as retenu mon nom. Prions pour que là où tu es, que Dieu te donne la force de demeurer toujours fidèle à lui, attaché à lui, malgré les situations. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons réclamer ta grâce, nous voulons réclamer ton assistance par le soutien de ton esprit à nous donner de nous retrouver toujours dans tes voies. Donne-nous la force de marcher sur le chemin sur lequel tu nous as appelés. Donne-nous de marcher selon la vocation que tu nous as adressée. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous nos leaders, nous prions pour tous les responsables de l'église locale. Seigneur, nous prions que tu donnes à chacun de demeurer fidèle, Seigneur notre Dieu. Merci, Père éternel, de relever, Seigneur notre Dieu, ceux dont l'amour était en train de refroidir, dont le cœur était en train, Seigneur notre Dieu, de refroidir. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, nous soit renouvelée et restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier, Père, dans ces temps difficiles, que tu donnes à ton Église, Seigneur notre Dieu, d'être une Église forte, d'une Église vivante, une Église qui parle de ta part. Seigneur, merci de le faire. Merci d'ouvrir nos yeux sur les choses, Père éternel, que tu n'agrées pas. Que l'honneur, la gloire, la puissance soient à toi au siècle des siècles. Amen.